227. Ouf, 227. Ouf, restaurer un petit peu et il y a quelque chose qui nous attend donc voilà à l'intérieur. Un coup, bravo. Ah, peut-être. Et la chanson alors. 3, 4. Les bibliothécaires sortent de leur bureau à vélo, cyclo vélo sur la route de Strasbourg à Bâle. C'est ça, bah, bienvenue, Lara. Lara, voilà. Oui, tu aurais dit Lara, c'est moi. Un gyrophare. Bonjour, bonjour. 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 Strasbourg, yes. Des règles de sécurité sur la route, on expliquera tout à l'heure. Et le programme au jour le jour avec. Avec l'itinéraire. Pendant le café, on invitera les gens à marquer leur nom. D'accord. Ça, c'est plus facile pour surprendre pendant la route. Comme ça, si on appelle quelqu'un, attention. Voilà. Permettez-moi de vous adresser quelques mots sur la Bibliothèque universitaire de Bâle. La Bibliothèque universitaire de Bâle est la plus ancienne bibliothèque de la Suisse. Elle est publique. Elle a été fondée en 1460. Alors qu'on va célébrer au mois de septembre l'anniversaire des 555 ans. Aujourd'hui, c'est 7 km en faisant large. J'ai essayé de faire un petit tour un peu plus conséquent pour visiter un petit peu sur les bords du Rhin et pour histoire de faire un peu de vélo parce que sinon demain ça va faire mal. Thank you.
And for further languages, you will meet colleagues inside the library. This library is quite special because if you think about the libraries that you may be working at, normally a library is the community or city or canton says, pour les gens qui sont un peu pressés, qui veulent rentrer, retourner leurs médias et prendre quelque chose de nouveau et partir. Donc on a ici un peu un mix. Non mais ça tu peux le gonfler à 8 hein. Ah ouais, ça c'est bien. C'est un métal gain de puissance incroyable. C'est... Non, le barème c'est peut-être pas bien. Ah bah j'ai des freins à disque. Ça tu l'as rajouté ça. Ouais. Et puis j'ai raccourci un peu la largeur aussi. Il était trop large. Donc, c'est bon, vous êtes prêtes? Pas vraiment. À fond. Donne-moi ta cigarette. Prêt? Oui. Oui, à fond, oui. Le mental est bon, là. Tranquille, apaisé, serein. Prêt? Ouh. L'échauffement, tout. Oui. On dirait que ça dort encore un peu, là. Il y en a, hein, ils ne sont pas réveillés. Hein. Bon, là, vous êtes frais, hein, on va voir ce soir. Ouh là là, il est méchant. Prêt? Oui, en forme. Prêt. Alors, on va y aller. Tranquillement. Haute-Marsan nous attend avec la bibliothèque municipale, avec la presse et l'adjoint à la culture, sauf erreur de ma part, mais voilà. Amusez-vous bien.
Vous avez le sourire tous, c'est super.
Vous garez, voilà. Vous occupez de toute la partie bibliothèque aussi. Aussi, ouais. Prêt, retour, ouais, conseil aux lecteurs, rangement, etc., etc. Dans un bibliobus, il faut être polyvalent. Ah si, après on a. Il y a des agents qui ne font que ça pour chercher des livres. Ouais, bah là j'ai plus rien à lire. On a tout lu là à vélo. Donc voilà, on vient faire notre marché. J'ai écouté des livres à vélo. Ah ouais ? Ouais. On a aussi à vous proposer. Vous avez des ouais. Moi j'ai parlé avec les gens à la place. Ouais. Ah, il y a du Stéphane Vull, c'est très bien. Ah, mon SF est pas mal du tout. Monsieur chauffeur de bibliobus, pas mal. Donc il y a eu pas mal d'évolutions au niveau du bibliobus pour arriver jusqu'ici. Ça a commencé par des caisses en bois qui étaient livrées aux instituteurs avec l'ancêtre des masters en 1945. Et puis petit à petit, il y a eu un bibliobus qui a stationné dans l'école. Et maintenant, c'est des bibliobus qui stationnent pour tout le public. À l'extérieur, il s'est éloigné de l'école au fur et à mesure. Donc voilà, vous voyez la conception, c'est plus des tubes, pour ceux qui ont connu l'ancien bibliobus de BCP, c'est plus des tubes, mais on a souhaité qu'il y ait pas mal de lumière, que ce soit vraiment une petite bibliothèque où on puisse s'asseoir et passer un moment. Donc il y a 3000 documents dans un bibliobus. C'est tout optimisé, hein, vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Et on a pas mal de CD. En tout cas, bravo pour votre initiative. Ça fait rire à certains d'entre vous, j'imagine, de découvrir la tasse. De Colmar. Où nous restons là-bas jusqu'à 11h avec un gros brunch, 10h30, plein de gâteaux maison. Hein. Elle m'a dit je peux me lâcher. J'ai dit bah oui. C'est bon.
Il y a Patrice, Valérie, Dominique, Elisabeth, il y a Farida qui est là aussi. Et de l'autre côté 7-14 ans. Ensuite, par rapport au mobilier, on a eu Duvich qui nous a fourni le mobilier. Quels sont les arguments, quels sont les aspects qu'il faut mettre en avant pour convaincre à la fois du côté patrimonial que du côté lecture publique de l'intérêt justement pour des municipalités, des collectivités de financer des projets comme ça? Je suis sans doute effectivement une élue un petit peu atypique, mais nous sommes aussi une municipalité un petit peu atypique hein, parce que le budget de la culture à Colmar, notamment en investissement, représente plus du tiers du budget. Voilà. Alors il y a certains de mes collègues, je pense que vous êtes confrontés à ce type d'argumentaire, ils disent maintenant personne ne lit plus, on trouve tout sur internet. Bon, moi généralement je grimpe au mur, mais voilà, donc je pense que les gens peuvent se retrouver dans ces nouveaux lieux de socialisation parce que ce sont des lieux ouverts à tous, des lieux gratuits. Parce qu'on n'est pas obligé d'être abonné. Hein, donc, ce sont des lieux où peuvent se retrouver toutes les générations. Et il y a aussi, c'est un argument très très important, il y a une offre, toute une palette extrêmement variée et riche d'événements, du théâtre, de la musique, des conférences, et qui sont entièrement gratuits. Thank you.
l'heure pile poil encore. À l'heure pile poil encore une fois, alors qu'on était parti pour avoir une heure de retard. Ouais. Mais voilà. Vous avez eu du vent ? Du vent de face, ouais. Donc c'était. C'était intense. C'était dur. Il y en a quelques-uns qui ont souffert sur le parcours. Ça va ? Ça va, plus fatigant qu'hier. Oui. Ouais. Mais le groupe nous porte. Ah. Alors ça aide. Pas trop fatigué ? Ah là non, j'attendais une côte. Vous nous avez promis des pentes. Et ça, c'est la pente. La côte, c'est pas une vraie, c'est une fausse, donc ça va. Il y avait beaucoup de vent. Il y a les toilettes en face. Ça, c'est... Donc on est en pleine forme là. Oui, il y a pas Altheid in Nederlands gesproken. J'ai parlé néerlandais à vélo. C'est une première. C'est bien, vous avez le sourire, hein. En partant, en revenant. C'est vrai, hein? C'est parce que je viens 15 jours. Oh, qu'il est beau ce bâtiment. J'ai un joli à l'avance. Qui disait qu'il manquait de Trouble-Off et qu'il avait faim. Petit Pierre est le meilleur pompier du monde. Il souffle dans sa trompette. C'est le signal pour dire à Orang-Outan de pomper plus fort. Bravo Orang-Outan, tu as fait du beau travail. C'était bien. Eh ben, ce tu lis, je te le donne, c'est un cadeau pour toi. Tu peux le ramener dans ta maison. Tu dis merci. Merci. Eh ben, de rien. Traditionnelle, donc une grande banque de prêts qui a un sens de circulation qui est très très grand, qui sert d'exposition comme vous le voyez derrière vous. Donc on a en permanence une exposition qu'on change environ tous les deux mois avec des animations associées évidemment. On a une salle d'animation se cache derrière le canapé. Oh, so it's supposed to be. Oh yeah. Show some effort. awful accent. Traverse la chambre. Regardez dans le professeur. Ok, thank you. Oh, le. Yeah, but your favorite, the chicken. Les collègues de Spotify essayent vraiment de rendre vivant la musique, puisque à cause de Spotify, il y a moins de monde qui vient emprunter la musique. Donc, comment faire ? Donc, vous conseillez la musique, vous faire découvrir des groupes en live. Parce que la musique se porte bien quand on fait ça.
J'arrive, tu t'es fait encore pousser par Pascal ou pas? Ah oui, 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 Pascal c'est notre berger. Notre sauveur. Oui, notre sauveur, ils encadrent. Tous les gilets oranges, je leur donne 10 sur 10. Oh, super! Oh, du coup, je bluff. Ouh, ouh là là. Quelle montée! Encore une montée, allez-y. Pour vous achever. Vous faites des animations en musique ? Alors musique, très peu, parce qu'on a des sources d'espace. À cause de l'espace, ouais. Mais c'est sûr que l'espace. Je devrais te poser des questions, mais sur l'animation, il y a pas de conversation aussi. Livres et les revues, je trouve aussi. Les livres et les revues en lien avec la musique, vous voulez dire? Oui, juste là. Un jeune monsieur qui est là depuis... C'est son premier jour de travail aujourd'hui. Oui, c'est ce que je disais. C'est un baptême. Un baptême du feu, là. Bon, faut pas qu'on les ferait trop, alors. Son sujet un drame. Bonjour, je viens d'arriver avec les participants du vélo oui. Et on est tous bibliothécaires du monde entier oui. Et on fait la promotion des bibliothèques. Oui. Et comme vous n'avez pas de livre ici, je me propose de vous en offrir un à vous. Voilà. Donc je vous remets ça, c'est pour vous. L'histoire de tueurs en série, alors c'est très à la mode les histoires de tueurs en série, mais là c'est tellement bien traité, il y a beaucoup de musique aussi à l'intérieur. Ah, merci. Bah, de rien. Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous n'hésitez pas à le donner à quelqu'un d'autre. Ouais, les bah, livres oui. sont ouais, faits pour voyager, donc ouais, voilà. Merci. Mais je trouve que les gens sont très dissipés quand même. Ouais, c'est sérieusement bien. T'en as pas beaucoup qui le font comme il faut. Ils sont pas dissipés. Demain, qui le fait pas là-bas. Ouais. On change de jambe. Sur la route, on va dans Strasbourg, on a mangé.
bluffs par jour. C'est quoi? C'est moi le plus fort. C'est vrai? C'est toi le plus fort? Je suis du Jura, en Franche-Comté. Voilà. C'est le mois de... Mais il y a des... Du mois de Montpellier. Et moi je suis de Calais. Ah, ah, bah, est-ce qu'on a des gens du Nord? Je sais pas. En plus, si tu me suis à... Il y a des Allemands, des Suédois. Ouais, ils ont fait des choses en vélo. Ah, ça va! Oui, voilà. Et puis, non, mais on fait ça aussi. On est très sympathique sur notre lieu de travail. C'est pas que sur notre vélo. Et bah, je vous laisse un petit papier pour vous le lire entre vous. D'accord? Merci. Oui, bien sûr. Et vous le lisez entre vous, hein? Bon, bah, voilà. Jolie couleur. Bon, on y va, Pascal, bon, on l'a bien fait. Trop tard. Regarde l'incitation à la lecture. Regarde l'incitation à la lecture.